بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On vit vraiment dans un monde de fous. Aujourd'hui, si vous voulez sortir de l'anonymat, vous voulez vous déplacer d'une situation précaire vers une meilleure situation, il suffit juste de surfer sur la religion, ce qu'on fait beaucoup, comme cet énergumène que vous avez en face, qui se proclame tout simplement être le Dajjal, rien que ça, et en plus sur TikTok. En plus avec un artifice de haute qualité qui a été très très bien fait. Ça se voit ici avec le Kohl. Il y en a un peu de partout, avec son tatouage d'œil de Ouja, l'œil d'Horus, hein, l'œil d'Horus qui représente le Dajjal, la symbolique franc-maçon et de l'Égypte antique. En plus ici avec l'étoile de David, avec une sorte d'artifice de paillettes qu'il a dû acheter pour 1 € au marché, et aussi ici avec une symbolique hindouiste. Alors, je vous parle pas du reste, on va pas s'étaler, on va écouter son message, ce qu'il a à dire aujourd'hui. Donc le Dajjal se déclare sur TikTok. Cette vidéo date du 18 mars 2024. On va écouter ce qu'il a à dire. Bismillah. My name is PJ and PJ. I am the Antichrist. Donc mon nom est PJ et je suis l'Antéchrist. The Muslims know me as Dajjal. Donc les musulmans me connaissent en tant que Dajjal. Alors je vais faire une traduction approximative. I will be using TikTok to teach the mark of the beast. Je vais utiliser TikTok pour enseigner la marque de la bête. I am a friend to all and none. Donc je suis l'ami de tous et de personne. If you are looking for a current world figure to step forward as the Antichrist, you need look no further. I am he. Donc si en quelque sorte vous cherchez une figure mondiale qui représente l'Antéchrist, pas la peine d'aller ailleurs, je suis ici. I am not a current world figure. I am coming from out of nowhere. My time on the earth has come, and I am here to fulfill ancient prophecies. Donc, en quelque sorte, je viens de nulle part. Je suis pas encore une figure internationale. Je suis là pour accomplir les anciennes prophéties. Alors, ne me dites pas dans les commentaires, oui, la traduction n'est pas fidèle. Ah, c'est pas une traduction à 100%. Je suis pas un professeur d'anglais. To all Christians, Muslims, and Jews. Donc les prophéties qu'il annoncera à tous les juifs, tous les chrétiens et les juifs. I do not seek to unite the world religions. Donc il n'est pas là pour faire une sorte de religion unie. Instead, my mission is to reveal their unity. Mais ma mission c'est de révéler leur union. Through teaching the mark of the beast, I will be teaching one overarching principle, and that is, Christ is king. Donc sa mission principale, c'est de dévoiler une sorte de voûte commune, d'accord. C'est le fait que le Christ est le roi, d'accord. Bon, on sait nous que Isa alayhi salam. Donc le Christ c'est Al-Masih, c'est le Messie, d'accord. Donc voilà, donc n'importe qui maintenant vient sur TikTok et surfe sur la religion avec un peu de crawl, ça le fait, hein, tu colles ici une petite paillette. Astaghfirullah. Bon, je vais pas trop moquer, c'est le somme, c'est le jeûne, mais là franchement c'est n'importe quoi. En plus je voudrais pas aller loin, mais sur ce personnage, hein, il est à mi-chemin entre voilà. On va pas trop rentrer dans les détails en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. Allah al-Musta'an. Donc voilà, en plus il a fait cette vidéo dans... Peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'est un américain, mais à mon avis je pense qu'il a un accent anglais pour me confirmer. Voilà, Allah al-Musta'an. Bon jeûne à tous.